Bonjour à toi, chers spectateurs, et aujourd'hui parlons de Retour chez ma mère, la nouvelle comédie de Éric Lavenne. L'histoire, c'est celle de Stéphanie, qui à 40 ans se retrouve sans emploi, avec des problèmes judiciaires et en plus sans domicile, et elle va devoir retourner chez sa mère. Y a rien de plus au niveau du pitch, et vous en révéler plus, ça serait vous spoiler, ou vous en dire trop, ou casser des enjeux que le film a, et en sachant que le film n'a pas beaucoup d'enjeux, bah ça serait un peu dommage. Éric Lavenne, c'est un réalisateur qui a un certain aura auprès du public français, notamment connu dernièrement pour avoir fait Barbecue, mais plus connu pour avoir fait la comédie Incognito. Après, il a d'autres trucs un peu moins glorieux comme Bienvenue à bord. Mais c'est un metteur en scène qui aime bien l'humour et qui en même temps le mélange souvent à des films qui questionnent en partie le cercle familial et le cercle amical. Là, c'est encore une fois ultra présent dans Retour chez ma mère. C'était déjà présent dans Barbecue, mais c'était un peu noyé dans une espèce de film de potes qui n'était pas forcément tout le temps intelligent et qui avait pas mal de maladresse. Là, pour le coup, Retour chez ma mère, bah, c'est la même chose en un tout petit peu mieux. C'est-à-dire que là où Barbecue était vraiment lourd par moments et ne savait pas du tout où il voulait aller, Retour chez ma mère a plus d'idées, mais ça marche toujours pas parce que Lavenne, il n'arrive pas à insuffler quelque chose de fin, on pourrait dire, à sa comédie, et il se limite simplement à soit un humour qui par moment est un peu trop lourd, soit un humour qui est répétitif, soit au contraire des personnages qui ne sont pas vraiment attachants et qui posent problème au niveau de l'immersion du spectateur, car celui-ci finit simplement par regarder des personnages et ne les remet pas en question puisqu'il ne se met pas à leur place. Et c'est ça un gros problème. Au niveau de l'écriture, donc c'est Héctor Cabello-Reyes et Éric Lavenne qui se sont collés. L'écriture de ce film est le point le plus bancal parce que on sent qu'ils auraient pu amener beaucoup plus d'intelligence dans les personnages, dans leur manière d'évoluer et surtout dans la manière avec laquelle ils entretiennent des rapports les uns entre les autres. Et ça se limite simplement à montrer encore une fois une famille qui se déchire, une famille qui ne peut pas saquer chacun de ses membres. Et donc voilà, on se retrouve simplement avec des personnages qui sont assez lourds, pas forcément fins, souvent incompréhensibles dans leurs décisions, dans leur manière d'évoluer. Et ça donne lieu, voilà, à une structure narrative qui tient en un gros bloc de 1 heure et en une demi-heure de retournement qui vont s'enchaîner à la va-vite. Ce qui fait que résultat, pendant 1 heure, on est un peu en latence, il n'y a pas vraiment d'évolution dramatique ou caractérielle des personnages, voilà, on les regarde simplement. Et pendant une demi-heure vers la fin, tout va basculer d'un seul coup, mais genre vraiment d'un seul coup, tous les personnages vont s'entremêler et vont se remettre en question d'une traite. Et ça arrive tellement de manière bordélique que résultat, nous en tant que spectateurs, on se retrouve simplement à faire un constat, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi maintenant? Et ce qui fait que résultat, on se retrouve vraiment perdu. On se dit que le film aurait pu être plus intelligent, plus fin. Et non, finalement, il s'imite simplement à ah oh bah voilà, c'est parce qu'il sera biboché, donc voilà, ça va dérouler plein de nœuds dramatiques. Le seul point qui est à peu près bien abordé, c'est la place de la mère. La place de la mère dans le film est plutôt assez intelligent. Ça amène 2-3 scènes qui sont assez marquantes et qui sont assez justes. Mais le problème, c'est que voilà, le film se vend comme une comédie. On rigole pas beaucoup devant ce film. On est plus, voilà, dans peut-être, on va sniffer du nez, voilà, on va faire ou on va peut-être avoir 2-3 moments, on va faire mais il n'y a pas de moment où on va vraiment rigoler parce qu'on va être avec les personnages. Voilà, c'est ça en fait qui pose problème, c'est que dès le moment où on n'a pas créé l'immersion avec les personnages, on reste simplement en train de regarder des héros et on ne sait pas pourquoi ils évoluent comme ça. Mais voilà, on les regarde et on sniffe du nez, quoi. C'est un petit peu dommage, voilà, ça aurait pu aller plus loin. Au niveau de la mise en scène, Éric Lavenne, il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire. On est quasi dans un huis clos sur ce film, c'est-à-dire que quasiment toutes les scènes se passent dans l'appartement, donc on n'est pas loin de la mise en scène très théâtrale. On est vraiment dans de la création de rapports entre les personnages. Ça se limite vraiment à ça. Et voilà, c'est juste des personnages qui s'entrecroisent dans cet appartement. Il y a très peu de moments où on sort, et les moments où on sort sont peut-être les moments les plus rythmés au niveau du montage, au niveau de l'écriture comique. Mais ça se limite à ça, quoi. C'est vraiment 2-3 instants où on va se dire, oh ben là c'est un peu rigolo, oh là c'est plutôt bien foutu, là c'est, il y a 2-3 trucs qui sont sentis. Mais voilà, dans l'ensemble, on n'a pas cette sensation que le film essaye de faire plus au niveau de la mise en scène, de faire ressortir le comique. Ça se base trop sur son écriture, donc résultat, le comique est vraiment de l'ordre de, voilà, du dialogue, de la situation, mais il n'est jamais amené par la mise en scène. C'est jamais la mise en scène qui repousse les limites du comique et qui cherche à leur donner plus d'expansion ou plus d'envergure ou plus d'intelligence. Donc voilà, on se retrouve simplement devant un film qui aligne des espèces de scènes poussées bout à bout et ne va jamais plus loin que ça.
Il essaie jamais de se renouveler, il essaie jamais de créer quelque chose de nouveau, il essaie jamais de créer quelque chose qui se renouvellerait au niveau de l'humour. Ça s'imite simplement à je pose une scène, elle est drôle ou elle n'est pas drôle, vous en faites ce que vous voulez, point. Au niveau du casting, le casting se repose beaucoup sur Alexandra Lamy et Josiane Balasko. Alexandra Lamy est bien, mais sans plus. Elle joue assez justement, mais voilà, elle est un peu dans la caricature par moment et c'est un peu maladroit. Josiane Balasko, il n'y a rien à en redire, elle est bien. Elle fait du Josiane Balasko et ça fonctionne bien. Mathilde Seigner, Philippe Lefebvre, Jérôme Commandeur, pas trop mal, plutôt intelligent. Il y a Patrick Bosseau qui fait un caméo, ça sert littéralement à rien. Il y a juste Mathilde Seigner qui est un petit peu horripilante, mais en même temps son personnage le veut, donc dans cette veine-là, elle est assez intéressante. Mais dans l'ensemble, voilà, pour faire simple, Retour chez ma mère, c'est un film qui est beaucoup trop bancal pour surprendre, beaucoup trop classique pour innover ou même jouer avec le spectateur, qui se repose trop sur son concept de base et qui, résultat, ne va pas au-delà. Et donc, nous, en tant que spectateurs, on reste un peu léthargique devant ce film. Ça aurait pu pousser son humour plus loin, mais ça ne le fait pas. Donc, voilà, Retour chez ma mère de Éric Lavigne, c'est juste moyen. Donc, à vous de vous faire votre propre avis. Ça se trouve, vous aimerez, ça se trouve, vous aimerez pas. Vous verrez bien, j'ai envie de vous dire, allez-y si ça vous tente, tout simplement. Vous saurez si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. À plus!